Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous à guinematin.com. Idrissa Sompare, chargé de programme à l'OIM. Merci de recevoir guinematin.com chez vous. Comme on le sait, des centaines de Guinéens se retrouvent bloqués en situation de détresse, se retrouvent bloqués au Niger. Et en tant qu'organisation internationale pour la migration, basée en Guinée ici, est-ce que vous êtes saisi de ce dossier? Oui, en fait, nous sommes au courant puisque cela fait plusieurs années que nous sommes en Guinée et que nous apportons une assistance aux migrants guinéens qui sont en détresse, pas seulement au Niger, mais dans beaucoup de pays sur la route de la Méditerranée. Donc effectivement, nous savons qu'aujourd'hui, nous avons plus de 300 Guinéens, 348 pour être exact, qui sont pris en charge dans nos centres d'accueil, les centres d'accueil du gouvernement nigérien en République du Niger, et qui souhaitent rentrer en Guinée. Alors, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour faciliter leur retour au pays? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même préciser que ces Guinéens sont dans des facilités où, par facilité j'entends des structures, où ils sont quand même pris en charge, où ils reçoivent 3 repas par jour, où ils ont le service d'infirmiers qui suivent tous les aspects sanitaires liés à l'épidémie que nous vivons, où ils reçoivent des kits d'hygiène et des kits pour leur logement de façon hebdomadaire, donc ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Ça, je tiens à le préciser. Et pour revenir à leur retour en Guinée, vous êtes bien au courant comme moi que ça fait quelques semaines, mois maintenant, que l'ensemble de la planète se retrouve frappée par cette épidémie qui a mis un gros frein au mouvement transfrontalier. Et c'est la même chose pour ce cas-ci. Il y a eu des restrictions imposées par les différents États qui sont souverains, qui ont imposé des fermetures de leurs frontières. Et il faut trouver des moyens d'alléger ces mesures afin de permettre à ces jeunes de rentrer en Guinée. Donc ce que nous avons fait en tant qu'agence des Nations Unies qui s'occupe de la question, nous avons déjà répondu à la demande de nos États membres, parce que je vais aussi préciser ce point-là. Nous n'avons pas l'attitude de décider ou de se substituer à des États souverains. Nous ne faisons qu'accompagner nos États membres. La mission de l'OIM au Niger, tout comme la mission de l'OIM en Guinée, n'intervient que dans le cadre d'un appui aux républiques du Niger et de la Guinée respectivement. Donc, les discussions ont eu lieu. Nous avons proposé à nos partenaires la mise en place d'un corridor aérien pour faciliter le retour de ces jeunes par charter. Et nous sommes en train de travailler dessus parce que bien que ces opérations soient faisables, elles nécessitent une planification et des précautions extrêmes à cause de la situation sanitaire qui prévaut. Donc, le corridor aérien est acquis des deux côtés, du côté nigérien comme du côté guinéen. Nous sommes maintenant en train de nous entendre sur les modalités opérationnelles de tel mouvement, parce que 348 personnes, ce n'est pas petit. Ça va être probablement 2 vols charter qu'il va falloir espacer d'une quatorzaine. Bon, vous connaissez toutes les mesures qui sont en place par rapport à la prévention contre le Covid. Donc nous sommes aujourd'hui en train de discuter avec nos partenaires de l'État guinéen, la mission de l'OIM au Niger, le gouvernement nigérien, pour voir de quelle manière organiser ces opérations pour garantir la dignité, mais aussi la sécurité sanitaire de ces migrants. Alors, vous nous aviez dit que ces migrants qui sont bloqués au Niger bénéficient de toute l'assistance de l'OIM, alors que nous avons eu un d'entre eux une fois au téléphone récemment qui disait n'être pas dans les bonnes conditions. Est-ce que l'OIM basé en Guinée, est-ce que vous les avez apporté un appui, notamment en denrées alimentaires? Comme je vous ai dit, notre organisation elle est internationale. L'OIM en Guinée n'intervient pas directement avec des bénéficiaires qui sont au Niger. Nous avons une mission au Niger qui s'occupe de ces bénéficiaires. Et je vais vous le répéter, mais notre mission au Niger a des centres d'accueil. Ce sont des centres où toute une batterie de services et d'assistance sont disponibles pour
des migrants qui sont en détresse et qui sont en situation difficile. Nous ne pouvons pas ou nous ne donnons pas directement de denrées parce qu'ils sont dans un cadre, on va dire, un cadre régulé, qui est un centre. Mais comme je vous l'ai dit, chacun d'entre eux reçoit au minimum 3 repas par jour. Donc cet aspect-là est couvert. En termes d'hygiène, comme je vous ai dit aussi, ils reçoivent ce que nous estimons être un kit qui leur permet de vivre dans le centre, sachant que les infrastructures sont là, de vivre dans le centre de la manière la plus digne et la plus saine qui soit. Et ces kits sont renouvelés chaque semaine. Et les services d'infirmiers sont aussi présents. Donc, quand les jeunes vous disent ce genre de choses, c'est vrai que leur situation n'est pas simple, mais je pense qu'il faut quand même relativiser et voir que du côté de l'OIM, en tout cas, et du côté de l'État nigérien aussi, il y a beaucoup de choses qui se font. Et ces jeunes en particulier, je pense, qui étaient témoignés dans votre article, sont même pris en charge dans un centre qui est sous la responsabilité du gouvernement nigérien. Donc non, pas de denrées, mais oui, l'assistance, elle est fournie, et elle est fournie de manière adéquate. Alors, une fois de retour en Guinée, quel sera l'appui de l'OIM pour leur réinsertion? Bon, déjà avant de penser à leur réinsertion, comme je vous l'ai dit, il faut déjà penser à ce qu'ils rentrent de manière saine. Et une fois rentrés, qu'ils ne soient pas un danger pour eux et pour la population ou leur communauté. Donc, des discussions ont lieu avec le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, ministère de la Santé, pour voir dans quelles conditions déjà accueillir ces jeunes. Parce qu'il faut pouvoir les accueillir et il faut pouvoir les mettre dans des conditions qui limitent, on va dire, les risques. Et la première des choses qu'ils vont recevoir, parce que l'assistance, elle commence au Niger, ce n'est pas ici, ils vont recevoir chacun un kit hygiénique. Ils vont recevoir des gels, ils vont recevoir des masques, ils vont recevoir tout ce qui compose un kit hygiénique. Et une fois ici, nous leur fournirons de l'argent de poche. Nous leur fournirons aussi le même kit pour eux et pour leur famille. Et nous allons, en collaboration avec les autorités guinéennes, mettre en place les conditions pour que leur 14aine, et voire même plus, soit garantie. En ce qui concerne leur réintégration socio-économique, ça, c'est l'étape qui vient après. À l'OIM, nous avons un programme qui vise à supporter les jeunes qui reviennent en Guinée. À la date où je vous parle, nous avons assisté plus de 15 000 jeunes à l'entrée depuis l'année 2017. Et sur ces 15 000, on en a à peu près 6 000 qui ont bénéficié d'une assistance directe de l'OIM à la réintégration, qui ont bénéficié de formation, qui ont bénéficié de montage de projets, de financement de projets et qui aujourd'hui sont en train de piloter des micro-entreprises. Et ces jeunes qui rentrent du Niger seront exactement dans le même cadre que ces jeunes-là. Une fois rentrés, une fois leur période de sûreté passée, ils seront tout simplement intégrés dans le processus de réintégration normale de l'OIM en prenant en compte bien entendu toutes les contraintes liées à la période actuelle. Alors, en dehors du Niger, on signale d'autres cas également au Sénégal et en Algérie. Et qu'est-ce qui est en train d'être fait par votre organisation pour faciliter le retour de ses compatriotes également? Attention, je l'ai dit au début de mon intervention, je vais le répéter. Nous n'avons pas vocation à déterminer quel type de support est nécessaire pour des citoyens guinéens lambda dans le monde. Nous n'agissons que sur la base d'une requête de notre État membre qui est la République de Guinée. En l'état actuel des choses, nous avons reçu une requête pour ces 348 jeunes qui sont au Niger et possiblement pour une centaine de jeunes étudiants guinéens qui sont dans une université nigérienne pour lesquels l'État guinéen a demandé à l'OIM de mettre à profit, de mutualiser les ressources de retour de ces jeunes migrants avec ces étudiants pour les faire entrer. Donc, je ne saurais vous dire ce qui est prévu pour les Guinéens de partout dans le monde. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma place. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes disponibles à appuyer le gouvernement de la République de Guinée à faciliter le retour de migrants guinéens dans leur pays d'origine
lorsque les conditions s'y prêtent, lorsque les ressources s'y prêtent, parce que nous sommes une organisation, nous n'avons pas de ressources infinies, et lorsque nous le pouvons, nous accompagnons notre État membre. Donc voilà un peu où se trouve la situation. Ces requêtes-là doivent venir du gouvernement, et lorsqu'on les reçoit, on les étudie avec le gouvernement et nous apportons notre support. C'est ça notre rôle et c'est ça notre mandat. Alors, quel message avez-vous à l'endroit de ces jeunes qui voudraient bien tenter cette aventure périlleuse, c'est-à-dire l'immigration clandestine? Bon, écoutez, la migration irrégulière, je pense que ça fait des années qu'on en parle. Je pense que c'est un sujet assez d'actualité, surtout dans notre pays, parce que c'est l'un des plus touchés par la question. Moi, je dirais aux jeunes que migrer n'est pas un crime. On n'a jamais dit que migrer est un crime. Au contraire, c'est une nécessité humaine. La mobilité humaine est normale. Il n'y a rien de mal à ça. Ce que nous disons à ces jeunes, c'est qu'il faut migrer et il faut le faire dans les règles, tout simplement. Il faut se donner les moyens de voyager de façon sûre, de façon digne et de façon ordonnée. Tout simplement parce qu'en choisissant l'autre chemin, on s'expose indubitablement à toutes sortes de dangers, à toutes sortes de réseaux mafieux, à toutes sortes de... Même la mort, pour finir. Donc c'est une voie que nous déconseillons, mais nous ne sommes pas ici pour empêcher les jeunes de voyager. Nous sommes ici pour leur dire... Vous pouvez voyager, c'est normal, c'est tout à fait normal. Il est tout à fait normal d'aller suivre des études dans un autre pays. Il est tout à fait normal de vouloir migrer pour améliorer les conditions de vie de soi-même ou de sa famille. Mais faisons-le dans les règles. Voilà. Et pour terminer mon point, pour revenir sur le sujet principal de l'opinion au retour de ce jeune pour la deuxième quinzaine de juin, Inch'Allah. Merci beaucoup.
son excellence. Oh là là. Monsieur Moukhtar, il est parmi nous. Il n'est pas n'importe qui, pour votre information. C'est pour vous dire aussi la jeunesse. Voilà. Il s'occupe de nous en tout cas, la jeunesse. Nous les jeunes, on est très contents de lui. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Monsieur Moukhtar. Et Madame Sou, la présence aussi. Et Madame Sou, ah oui, ça quand même, la jeunesse est beaucoup, beaucoup aidée ici, dans la commune de Ratouma. C'est pour vous dire que vraiment, on est très, très content, on est très ravis que ce centre soit ouvert dans notre commune de Ratouma. Voilà. Portez vos bavettes maintenant, c'est qu'on vous a distribué la portée. Les enfants disent, va-t'en. Qu'est-ce que tu attends? Va-t'en. On veut plus te voir, va-t'en. Covid-19, je te dis, va-t'en. Sors de chez nous, va-t'en. Il tenait vraiment à être parmi nous ici. Je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Depuis la confirmation du premier cas le 12 mars 2020 en Guinée, la commune de Ratouma a mis en place un comité de crise pour la lutte contre la pandémie Covid-19. Nous sommes très contents qu'il soit apporté sur notre commune pour le lancement et l'installation de l'atelier de confection des bavettes dans la ville de Conakry. Monsieur le ministre, nous avons fait beaucoup d'actions depuis ce jour jusqu'ici, au nombre desquelles l'identification des points de regroupement de la commune, des points de stationnement des taxis moto, des familles vulnérables. Nous avons identifié plus de 40 ONG et formé ces 40 ONG pour la distribution, pour la sensibilisation et la distribution des kits dans la commune, sous l'accompagnement, bien entendu, de Enabel Sanita Villepro. Monsieur le ministre, il me soit. Monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est un jour inoubliable pour nous, pour le lancement de cette campagne de 12 jours dans la commune de Ratouma. Nous sommes très fiers de tout ce que vous faites pour la jeunesse de la Guinée et celle de Ratouma en particulier. Je ne saurais terminer cette brève allocution sans remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ne cessent de nous accompagner dans la mise à, dans la lutte contre cette pandémie Covid-19. Je vous remercie. Les partenaires techniques et financiers, messieurs, mesdames, les représentants de la société civile, messieurs, mesdames, chefs d'agence, chères sœurs et frères, merci d'être venus. Chers invités, chers jeunes, c'est un vrai plaisir pour moi d'être là, d'être sorti de la maison et d'être ici en train de lancer cette initiative avec vous tous. Comme je viens de dire, Madame la Directrice vient de situer ce qu'on est en train de faire dans le contexte de Covid, dans un contexte plus important et plus large qui est le développement et le développement de la jeunesse en Guinée. Avant de commencer quand même, je voudrais exprimer mes prières et mes pensées pour toutes les familles qui ont perdu leurs proches au Covid. Aussi d'exprimer toutes nos douleurs et toutes nos forces pour accompagner les familles qui ont des malades, qui sont toujours en train de lutter. Monsieur le ministre, chers invités, c'est aussi une opportunité de rendre hommage à tous les acteurs du secteur de la santé qui sont en train de se battre chaque jour, chaque nuit. Que ce soit des médecins, que ce soit des infirmières, et chaque acteur autour des structures de prise en charge, on doit les remercier, on doit les apprécier en disant que chaque jour, chaque nuit, ils sont là pour nous. Pendant cette lutte contre le COVID, on doit exprimer cette appréciation et nos remerciements. En face de cette lutte et en face de cette bataille contre le COVID,
Nous devons redoubler nos efforts de réflexion. Nous devons renforcer l'esprit de créativité. Et nous devons également renforcer la vigilance. On doit non seulement arrêter le virus, mais on doit aussi réduire l'impact qu'il a sur notre vie quotidienne, sur l'éducation, sur notre santé, sur notre capacité de travailler. Tout ce qu'on est en train de faire, on doit intégrer une créativité pour voir comment vivre avec, comment surmonter, comment définir le demain d'après COVID. Et ça demande beaucoup de solidarité. Ça demande les actions civiques. On doit également combattre les rumeurs et tout ce qui est le fake news autour de COVID. On doit surtout respecter les consignes de l'ANSS et du comité scientifique qui nous donnent les orientations et les voies à suivre pour que ce combat soit une réussite. C'est dans cet esprit que l'initiative du ministère de la Jeunesse, accompagnée par le système des Nations Unies, constitue un pierre parmi d'autres dans la constitution et la construction d'une fondation de réponse qui est basée sur l'information et la connaissance comment il faut battre contre le COVID. Cette initiative est composée de trois axes. Il y a un, les affiches. Donc il y aura 25, je crois, affiches partout dans la ville de Conakry qui informent d'une façon large. Mass communication. Il y aura également les outils de prévention. Vous voyez les masques qu'on est en train tous de porter. Il y aura également les kits d'hygiène. Ça, c'est des moyens de prévenir chacun d'entre nous, les activités individuelles. Et finalement, il y aura 50 communicateurs qui vont aller dans tous les quartiers des 5 communes de Conakry pour communiquer, pour partager l'information, pour assurer que tout le monde a la connaissance de ce qu'il faut faire pour prévenir l'infection au COVID. Cette information, cette connaissance est la meilleure arme. C'est ce que chacun d'entre nous doit avoir pour nous protéger, mais aussi pour protéger celui qui est à côté de nous, sachant qu'on n'est jamais protégé si l'autre n'est pas aussi protégé. Je termine, Monsieur le ministre, chers collègues, chers invités, avec des grands remerciements à tout le monde qui est ici, qui avait fait pour préparer ce terrain, que ça date depuis 2015 ou 2016, que ça date depuis quelques mois. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont œuvré pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on lance une activité par les jeunes à Conakry pour travailler avec les jeunes à Conakry, pour protéger les jeunes à Conakry et tous leurs entourages. Je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite une très bonne journée. Ah, monsieur le maire de la commune de Ratoma, madame la représentante de l'UNFPA, madame la chef de mission de l'OIM en Guinée, monsieur le représentant de l'ONUDI en Guinée, monsieur le coordinateur du programme Integra en Guinée, madame la coordinatrice du CCI, composante Integra, monsieur le représentant de Monsieur le représentant de la Fondation des volontaires d'Afrique, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous adresser au nom du gouvernement guinéen en général et au nom du ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes en particulier, mes vifs remerciements pour votre présence à cette importante cérémonie de lancement du projet de riposte contre le COVID, la COVID si vous voulez, et du centre d'apprentissage et d'incubation des métiers
du secteur de la couture de Taouya. Votre présence à nos côtés ce matin est la manifestation du soutien que vous avez toujours apporté au gouvernement guinéen, aussi bien dans la mise en œuvre de ces initiatives pour l'épanouissement des jeunes que dans différents autres domaines de développement de la Guinée. Mesdames et messieurs, chers invités, depuis le 12 mars 2020, date de l'enregistrement du premier cas confirmé du Covid en Guinée, notre pays traverse, comme la presque totalité des pays du monde d'ailleurs, une période de crise sanitaire et économique sans précédent. La maladie se propage à une allure inquiétante et le pays compte aujourd'hui 2796 cas connus du virus et malheureusement 16 décès selon la MSS. La situation est d'autant plus préoccupante que des cas de personnes atteintes du Covid sont désormais signalés dans les préfectures de la Guinée. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a élaboré un ambitieux plan de riposte prenant en compte les différentes dimensions de la riposte. Tous les acteurs de cette riposte, du secteur public et privé, dans les différents domaines de compétences, sont invités à s'impliquer dans ce que toutes les nations du monde considèrent comme une guerre contre le coronavirus. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune se devait, comme à son habitude, d'apporter sa contribution à ce combat qui est aussi celui de tous les jeunes de Guinée. S'appuyant sur l'engagement citoyen et dynamique de ces jeunes, mais aussi sur l'expérience, sur une expérience en matière de volontariat d'urgence sanitaire, acquise à la faveur de la lutte contre le virus Ebola, le département a initié un projet mettant l'accent sur la communication mobile à travers des motos et des véhicules, la communication sur support mobile, panneaux, banderoles, t-shirts, autocollants, etc. La distribution de masques faciaux et de dispositifs de lavage de mains. La communication mobile sera assurée à travers 20 véhicules et 50 motos déployés dans toute la ville de Conakry. Pendant 12 jours, 60 jeunes munis de mégaphones ou d'engins de sonorisation parcourront les marchés, les places publiques, les débarcadères, les gares routières, les gares de moto, etc. pour rappeler l'existence et la gravité de cette maladie. Les sources de contamination et les mesures d'aptitude à adopter pour se protéger et protéger les autres. Il s'agira donc de rappeler les mesures de distanciation sociale ou physique, de port obligatoire et correct du masque, du lavage régulier des mains avec du savon ou du recours au gel hydroalcoolique, etc. Mais le projet s'appuie également sur la création graphique, l'impression et l'affichage sur panneaux routiers, banderoles, t-shirts, autocollants, de messages et images relatifs aux gestes barrières et à l'application des mesures de prévention édictées par le gouvernement. Enfin, les jeunes assureront la distribution de masques faciaux, de protection individuelle et de kits de lavage de mains aux populations. Il est prévu la distribution de 100 000 masques faciaux et 50 kits de lavage de mains aux populations pour ce projet-ci. Et bien entendu, d'autres projets suivants. La présente crise étant à la fois sanitaire,
économique et humanitaire et pour concrétiser le souhait du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui se traduit par un Guinéen, un masque et une solution hydroalcoolique, mon département a choisi d'opérationnaliser le centre d'incubation au métier de la confection couture de Téléa, qui, dans un premier temps, assurera l'insertion socio-économique de 100 jeunes filles, garçons, couturiers et couturières, en vue de la confection et la distribution de matériel de protection individuelle contre le COVID-19. Le centre d'incubation au métier de la confection de Téléa, que nous avons la joie de visiter ce matin, est une belle initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, portée par la Direction nationale de l'Emploi des Jeunes, que je félicite au passage pour l'efficacité dont elle a fait preuve. Il s'inscrit dans le cadre des initiatives présidentielles de promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, en particulier dans la mise en place de centrales de métiers en Conakry. Il a fait l'objet de présentations officielles, comme il a été rappelé ici tout à l'heure, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août 2016. Mon département s'est engagé à rendre opérationnel ce centre à la faveur de la présente crise, non seulement pour répondre à une demande urgente de lutte contre le coronavirus, mais aussi pour contribuer à la résilience au COVID-19, notamment dans le secteur de la confection, qui est un secteur porteur d'emploi et de richesse. C'est l'occasion ici pour moi de féliciter mon prédécesseur, le ministre Moustapha Maïté, qui, à son temps, avait initié cet important projet que nous avons eu l'honneur, avec l'appui des différents partenaires, à opérationnaliser aujourd'hui. Pour y parvenir, nous avons bénéficié de la compréhension et du soutien multiforme de nombreux partenaires techniques et financiers. Permettez-moi donc d'adresser le remerciement du département à l'UNFPA qui a financé ce projet et d'ailleurs qui a été éloquemment expliqué ici par sa grande représentante, Madame Dr. Barbara So, qui ne cesse d'appuyer mon département. Et je voudrais, s'il vous plaît, que vous applaudissiez très fort mon esprit. Bien sûr, à la Fondation des volontaires d'Afrique, FBA, de notre frère et ami Sosandra Bakiyi, dont nous saluons l'amour pour notre pays, et qui a doté le centre de 100 machines modernes à poudre. Au centre pour le commerce international, qui a permis au département de bénéficier des services d'un professionnel. Professionnel de la couture, qui assure pendant un an la formation et l'encadrement de 50 jeunes au métier de confection en général et de production des masques locaux pour la lutte contre le COVID-19 en particulier. Au projet Integra Enabel qui a mis à disposition certaines matières premières pour la confection des masques et s'est engagé pour l'innovation et l'extension du hangar afin de renforcer la capacité de production. Mais nous sommes conscients du fait que de nombreuses autres personnes physiques et morales ont soutenu l'opérationnalisation effective du centre et le processus d'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes comme approche de résilience post-crise sanitaire. Nous adressons à
et à toutes, bien sûr, nos remerciements pour leurs conseils et leurs encouragements. Nous invitons tous les partenaires à poursuivre leur appui pour faire de ce centre un important instrument de promotion des activités de toute la chaîne de valeur du secteur de la confection. Mesdames et messieurs, chers partenaires, pour terminer mon propos, je souhaite réaffirmer l'engagement de tous les jeunes de Guinée à contribuer efficacement, activement, à la lutte contre la crise sanitaire et économique qui affecte notre pays et qui les affecte bien sûr au premier plan. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes s'engage, comme vous le constatez sur nos affiches, à poursuivre à vos côtés, à intensifier la lutte contre le Covid-19 et à faire de la promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes le socle de la stratégie de résilience post-crise sanitaire. Face à l'évolution de la maladie, il nous semble urgent d'anticiper en prenant des mesures diligentes pour sensibiliser les populations de toutes les préfectures du pays. Je profite de l'occasion présente, mesdames et messieurs, pour adresser à l'ensemble des partenaires du gouvernement, au nom de M. le Président de la République, le Président Alpha Condé, le Président Alpha Condé et celui du gouvernement, sous le leadership du Premier ministre Dr. Gamakassori Fofana, mes vifs remerciements pour les efforts inlassables et l'attention soutenue en faveur des initiatives de promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Je voudrais féliciter les autorités sanitaires et le personnel soignant qui se battent vraiment pour sauver des vies et lutter efficacement contre le Covid-19 dans le pays. Je prie Dieu pour le meilleur établissement de tous les malades et qu'il accueille dans son paradis tous les décédés. Ensemble, nous vaincrons le Covid-19 et nous emporterons le combat contre cette maladie et bien sûr pour l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Vive la jeunesse guinéenne! Vive la République, vive la coopération internationale, je vous remercie. Madame, voilà. Madame, ta tablette. Dynamique, classe,
Félicitations. Merci beaucoup. Et à tous les... le service du département, et bien sûr, cela on a bénéficié, le ministère a bénéficié du soutien de nos partenaires, nos partenaires techniques et financiers. Opérationnaliser ce centre. Nous sommes sûrs que ce n'est que le lancement. Ouais. Il reste de pas sûr. Le mai est à venir. Merci encore une fois. Monsieur, bonjour. Présentez-vous à Guinée Matin.com. Je suis Mohamed Sylvie Diallo, conseiller communal à la mairie de Rakama, président de la commission environnement et développement durable. On sait que c'est la saison hivernale qui s'annonce en République de Guinée. Quelles sont les dispositions qui ont été prises par vos services pour en cette période, notamment pour lutter contre pour la gestion des ordures dans la commune de Rakama? Écoutez, les dispositions pratiquement ne changent pas, c'est toujours les mêmes dispositions. C'est-à-dire, nous avons rappelé les PME, nous avons mis toutes les PME à notre bataille pour faire le maximum possible la pénétration au niveau de l'abonnement des ménages.
Il y a également que nous avions déjà mis en place des équipes dans les quartiers qu'on appelle les comités locaux de salubrité et qui sont présidés par les chefs de quartier eux-mêmes. Donc ces comités sont chargés de veiller et de sensibiliser les citoyens non seulement pour s'abonner dans les PME, mais également de veiller à ce que ces citoyens, certains citoyens qui refusent de s'abonner, ne puissent pas aller mettre les ordures n'importe où dans la commune. Et à cela s'ajoute une disposition qu'on avait essayé de prendre, c'est-à-dire que c'est la disposition qui a consisté à écrire au ministère des TP, puisque vous savez, le volet curage des cannibaux, c'est un volet normalement qui revient au ministère des TP. Mais malheureusement, les choses étant ces personnes, il y a, quand nous avons écrit cela, a coïncidé à la crise politique. Après maintenant la crise sanitaire, et le ministre lui-même est tombé malade du coronavirus. Donc notre demande n'a pas pu prospérer. Ce qui fait que si vous avez remarqué, cette année il n'y a pas eu de curage de cannibaux, non seulement dans la commune de Radouman, mais aussi dans d'autres communes de la ville. D'accord, on sait quand même que certains citoyens ont a du mal à faire comprendre à certains citoyens les bonnes attitudes, et ils se permettent de jeter les ordures au niveau de certaines routes, des axes routiers comme l'axe ici, l'axe de Kagbeleng, Hamdallah. Et est-ce que vous aviez envisagé peut-être des sanctions à l'endroit de ces personnes? Oui, c'est une situation que nous regrettons beaucoup et que nous condamnons fermement. Et d'ailleurs, nous avons demandé l'appui de l'ANASP dernièrement pour nettoyer la partie de cette route qui est très souvent salie par ses citoyens de comportement indélicat. Et depuis le début de cette semaine, une équipe de Al-Bayran est en train de procéder à ce nettoyage. Mais malheureusement, dès que l'équipe quitte, il y a encore les mêmes gens qui viennent déposer des ordures sur la route. Donc nous avons essayé encore d'attirer l'attention des chefs de quartier sur cette situation. Nous leur avons demandé de réactiver les comités de salubrité qui ont pour rôle non seulement la sensibilisation mais aussi la veille et des fois même la répression. Nous avons donc remis en place l'équipe de la salubrité communale qui est déjà sur le terrain. Ils ont tout le matériel nécessaire. Ils vont sillonner sur le terrain et arrêter quiconque il voit en train de mettre les ordures sur le trottoir. Et une fois que l'intéressé est arrêté, ils vont l'amener au commissariat et appliquer la sanction qui est prévue par la loi. Ça varie de 5 000 à 500 000. Merci beaucoup, monsieur Stélo Diallo. Merci beaucoup. Merci. Docteur. Oui, bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Mon nom, c'est Dr Bayo Soumaïla, professeur de sociologie et en même temps directeur de la chaire UNESCO Paix, démocratie, droits de l'homme de l'Université Générale Lansana-Conté de Symphonia. Merci de recevoir guinematin.com chez vous. Merci. Comme on le sait, les salles de classe sont fermées il y a près de 2 mois. Cela à cause de la pandémie du coronavirus qui frappe de plein fouet notre pays. Et en tant que sociologue et enseignant-chercheur à l'Université de Symphonia, dites-nous, quelles pourraient être les conséquences de la fermeture des salles de classe sur le niveau de nos apprenants dans les mois et années à venir? Merci pour cette question. Je pense que chacun de nous doit aujourd'hui parler de cette pandémie qui a des conséquences néfastes sur le tissu social et économique de notre pays. D'entrée de jeu, même si Corona est une problématique sanitaire, mais cependant, il faut comprendre que cette maladie a des conséquences sur toutes les entreprises sociales et économiques. Et l'école n'échappe pas à cette réalité. Et vous savez autant que moi que depuis 2 mois maintenant, l'école guinéenne est fermée. Ce qu'il va dire que cette fermeture n'aura pas sans conséquences. À mon avis, il y a plusieurs conséquences, mais je vais citer les principales. L'une des premières conséquences, c'est la déperdition scolaire. Notamment, on verra que beaucoup d'enfants vont redoubler parce que la fermeture des écoles aura un impact sur le niveau d'éducation ou d'instruction des enfants. Également, ça peut provoquer ce qu'on appelle l'abandon scolaire parce que la fermeture prolongée des écoles peut
permettre à certains enfants de ne plus avoir le courage de retourner à l'école une fois la pandémie fermée. Et de plus en plus, lorsque vous sortez dans la ville de Conakry, de plus en plus j'observe que des étudiants ou même des élèves commencent à prendre d'autres métiers, soit la mécanique, soit la menuiserie ou même la maçonnerie. Donc le fait que l'école soit fermée, ça fait que de plus en plus des étudiants ou des élèves s'orientent vers des activités génératrices de revenus. Et ça, ça a des conséquences à long terme, parce qu'une fois l'école réouverte, ces enfants ou ces étudiants n'auront plus le courage de revenir à l'école. L'une des conséquences que je peux me permettre d'expliquer, c'est qu'il faut savoir que la fermeture des écoles aggrave surtout la vulnérabilité des filles. Et nous sommes dans un contexte socioculturel où généralement les filles sont défavorisées. Et avec la fermeture des écoles, de plus en plus, les filles vont s'atteler aux activités domestiques, notamment tout ce qui est lié à la cuisine, à la vaisselle, le transport d'eau. Donc ça va impacter négativement sur l'éducation de la jeune fille. Donc ça va accroître les disparités déjà dans le système éducatif guinéen en Guinée. Il y a également ce qu'on appelle la perturbation de l'année scolaire. Vous savez qu'en Guinée, normalement l'année scolaire c'est 9 mois. Mais depuis 2 mois, et le mois prochain nous tombons pratiquement au mois de juin, et à partir du mois de juillet, pratiquement les écoles sont fermées. Donc ce qu'il voudrait dire que cette année, on aura du mal à terminer l'année scolaire. Maintenant, il revient au ministère, aux différents ministères en charge de l'éducation, de voir comment réaménager l'année universitaire ou l'année scolaire pour permettre aux étudiants et aux élèves non seulement de rattraper les mois où il n'y a pas eu de cours, mais également comment organiser les élections, je vais parler des examens nationaux. Alors, déjà, vous revenez là sur les pistes de solutions, oui, expliquez-nous un peu plus. Ok, déjà je pense que le ministère, le MENA a déjà pris une disposition, c'est celle de mettre en place les cours en ligne. Et je pense que ça a été encouragé par beaucoup de gens. Pour moi, certes, c'est une belle initiative parce que la Guinée également ne peut pas rester sans prendre ses initiatives. Cette initiative, bien que salutaire, a des failles. Premièrement, par exemple, il n'y a pas d'électricité en Guinée. Rares sont les ménages aujourd'hui qui ont l'électricité 24 heures sur 24. Et lorsque le passage de ces cours à la radio ou à la télévision passe à un moment où il n'y a pas d'électricité dans les ménages, il va sans dire que l'enfant risque de rater ce programme. Une faille encore, c'est que si j'ai bonne souvenance, le taux de pénétration de l'accès à Internet en Guinée ne dépasse pas les 35%. Donc, il va sans dire que beaucoup d'étudiants, surtout ceux qui appartiennent à des milieux défavorisés, je vais parler des familles pauvres, auront du mal à accéder à l'Internet. Donc, ils auront du mal même à acheter l'outil pédagogique tel que l'ordinateur ou un smartphone. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir un smartphone de qualité pour accéder à ces cours. Et en plus de ça, ces cours ne sont pas gratuits. Donc, il faut avoir les moyens nécessaires pour accéder à ces cours. Donc, d'où la nécessité de faire tout pour qu'il y ait un partenariat avec les sociétés de téléphonie pour que le téléchargement de ces cours soit gratuit. Je pense qu'avec ça, beaucoup d'enfants auront accès à ces cours. Mais mieux que ça, est-ce que l'accès à ces cours en ligne peut permettre d'organiser les examens de fin d'année? Je pense qu'à mon niveau, il y a un bémol. Parce que le taux de pénétration Internet étant très faible, les familles les moins pauvres, les plus pauvres ont du mal à acheter le matériel informatique. Donc, beaucoup d'étudiants auront du mal à accéder à ces cours. Donc, la première des choses pour moi, d'abord, après 2 mois ou bien 1 mois de cours, c'est d'évaluer d'abord le taux de pénétration de ces cours au niveau de ces élèves.
si le taux est significatif et que d'évaluer également le taux d'assimilation. Parce qu'un cours présentiel et un cours à distance via les réseaux sociaux, c'est tout à fait différent. Parce que beaucoup d'élèves auront du mal à poser des questions, notamment sur des parties non comprises. Par exemple, il est facile de faire un cours d'instruction civique à travers la radio, à travers la télévision, même à travers les réseaux sociaux. Mais pour un cours de mathématiques, avec des démonstrations, il est très difficile qu'un étudiant, avec le niveau des étudiants guinéens que je connais actuellement, il s'y réponse. Donc toutes ces dispositions doivent être prises par le ministère de l'Enseignement supérieur d'évaluer d'abord la pertinence vraiment de ces cours en ligne avant d'organiser les examens nationaux. Parce que cela va permettre au ministère non seulement de savoir si les enfants ont assimilé, mais au finish d'éviter le taux élevé d'échec au niveau des examens nationaux. Merci beaucoup, docteur Ismaël Bayo. Ok, je vous remercie. Merci. Ok, actuellement, je compte lancer un appel, surtout au ministère, au MENA, de prendre toutes les dispositions pour que les enseignants qui opèrent dans les enseignements au niveau du privé soient vraiment pris en compte. Parce que beaucoup de nos collègues qui enseignent dans les universités privées et dans les écoles privées, aujourd'hui, tuent le diable par la queue. Ils se sont davantage appauvris. Ils ont des loyers à payer. Ils ont le devoir de nourrir les familles. Ils ont le devoir de prendre en charge, ne serait-ce que les besoins fondamentaux de leur ménage. Mais malheureusement, avec tout ce qui se profile à l'horizon, il va s'en dire que cette couche qui est très importante, parce qu'à Conakry notamment, les écoles privées sont plus nombreuses que les écoles publiques. Donc il faudrait prendre en compte cette frange de la population pour ne pas qu'elle s'appauvrisse davantage, pour ne pas qu'il y ait des conséquences à long terme sur les familles. Sinon, la plupart de ces cadres vont se retrouver dans la rue. En faisant quoi, par exemple, en leur donnant des primes? À mon niveau, c'est de mettre en place une stratégie pour permettre aux fondateurs des écoles de payer conséquemment les salaires. Ne serait-ce que s'ils n'ont pas cette possibilité, trouver vraiment une mesure atteignante, ne serait-ce que mettre à leur disposition la moitié de leurs salaires. Et je pense également que le Premier ministre doit les intégrer dans le plan d'urgence de réponse nationale. Et surtout le volet social. Il faudrait que cette couche soit prise en compte. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Merci de recevoir guinematin.com chez vous. Comme on le sait, nous sommes en période hivernale. Pour commencer, dites-nous quelles sont les dispositions qui ont été prises par vos services pour la bonne gestion des ordures dans votre commune ici. Merci mon frère d'être venu ce matin dans nos rues. Il ne s'agit pas seulement des ordures en période hivernale. Le plus important en période hivernale, c'est le curage des caniveaux par rapport à certaines occupations anarchiques. Comme vous le savez, l'année passée, Matoto a subi un grand drame au niveau de Dabondi. C'était non seulement lié à l'obstruction des caniveaux par les citoyens, et deuxièmement, le fait qu'on déverse des ordures dans les caniveaux pour bloquer le passage de l'eau, ce qui a causé la perte humaine de 5 personnes l'année passée. Donc, comme vous le savez, le président de la République a cette saison pluvieuse, à travers le ministère de la Ville, prennent des dispositions non seulement d'identifier les différents points noirs, afin qu'à travers, avec les collectivités, de prendre toutes les dispositions
pour éviter que ces mêmes problèmes se répètent. Donc, les premières pluies qui sont tombées la semaine passée, il y a beaucoup de nos braves femmes dans les marchés qui ont été victimes des inondations. En tant que collectivité, le conseil a décidé de procéder à une certaine offensive dans certains marchés et dans certains quartiers pour éviter que ces populations ne soient victimes des mêmes problèmes. C'est pourquoi le samedi passé, on était au niveau de Kankankouda avec l'appui d'une personne ressource qui nous a aidés. Non seulement lui va prendre en charge de faire le caniveau pour un peu élargir le passage de l'eau à travers notre technicien du directeur communal de TP. Et au niveau de marché Mayalon, nous avons demandé au ministère de l'hydraulique à travers l'Agence nationale de la salubrité publique de nous appuyer en moyens logistiques et le génie militaire nous a aidés pour qu'on puisse curer ces caniveaux pour éviter que les marchés ne soient inondés. Mais après, à l'instant T, toutes les dispositions sont prises pour informer à qui de droit afin que vraiment les points indiqués déjà soient débarrassés de ces situations pour éviter que les populations ne soient victimes. Alors on sait que certains citoyens se permettent de jeter les ordures au niveau de la voie publique. Et on le constate très souvent au niveau des grands axes routiers et des ronds-points. Est-ce que vous aviez pris des dispositions, est-ce que des sanctions sont prévues contre ces personnes qui se rendraient coupables d'attitudes inciviques dans votre commune? Je pense que ça c'est une très belle question, mais Matoto n'a pas ce comportement par rapport à d'autres communes. Prendre des ordures, venir mettre sur le trottoir. Parce que depuis notre prise de service, ça a été les premières actions que nous avons eu à mener. Parce qu'il faut aller dans les lieux de culte, dans les lieux publics, à travers les chefs de quartier, les chefs carrés, sensibiliser les citoyens pour ce comportement incivique. Et je pense que cela nous a vraiment aidé. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile de trouver sur les artères principales dans la commune des ordures érigées sur le trottoir. Mais comme vous l'avez si bien dit, il est important en tant que collectivité de prendre toutes les dispositions idoines. Et je pense que ces dispositions sont prises à travers les polices de proximité. Alors on sait que la pandémie du coronavirus frappe de plein fouet notre pays. Nous sommes à date à plus de 2000 cas confirmés. Est-ce que vous aviez pris des dispositions au niveau de votre commune pour freiner la chaîne de propagation du virus? Merci beaucoup. C'est pourquoi notre commune enregistre moins de cas de COVID-19. Parce que depuis que ça a été annoncé dans notre pays, avec les dispositions prises par le président de la République à travers son gouvernement, nous qui sommes des collectivités ne sommes pas restés en marche. Du coup, après notre entretien avec le gouverneur, nous sommes venus au niveau de la commune pour mettre en place un comité communal de riposte et mettre les démembrements dans les quartiers qu'on appelle les unités opérationnelles de riposte. Donc, comité communal de riposte, une fois que nous recevons des matériels, des kits, on redéploie à travers nos unités opérationnelles pour aller dans les lieux publics, pour les lieux de culte, les débarcadères, les marchés. Donc, je vous avoue que Matoto a été la toute première commune qui a distribué au départ plus de 1000 et quelques kits. Et c'est en cela que les personnes de bonne volonté, des entreprises, des sociétés, nous ont vraiment appuyé de cette bonne œuvre que nous cessons d'entreprendre au niveau de la commune. Et surtout, le plus important, c'est quoi? C'est la sensibilisation que les acteurs qui sont sur le terrain ne cessent de faire. C'est pourquoi, à date, jusqu'au 4, Matoto n'avait enregistré que 273 cas positifs confirmés sur les 2000, certainement, que vous demandez, que vous désirez. Alors, on sait que le gouvernement a pris des mesures récemment quant à l'annulation de certaines taxes au niveau des communes. Et alors, vous, au niveau de la commune de Matoto, comment est-ce que vous avez accueilli ces mesures?
Comment est-ce que ces mesures sont appliquées par vos services? Effectivement, depuis que l'annonce a été faite, nous avons respecté strictement ce qui a été dit par le chef de gouvernement, Dr Kassori, le Premier ministre, mais c'est que ça a été mal interprété par certains citoyens. Quand on dit l'annulation des taxes, les taxes sont spécifiques. C'est tel que les impôts, c'est tel que quelques taxes liées au gouvernement avec les services déconcentrés. Mais nous, en tant que collectivité, il y a certaines taxes qui sont liées à la vie de la commune. C'est tel que les loyers des magasins, la perception, les redevances et quelques taxes liées sur la survie de la collectivité. Parce que quand on parle d'une collectivité, c'est l'ensemble des services déconcentrés et décentralisés. Mais si vous prenez les contractuels qui sont au niveau des communes, qui ne vivent que sur les taxes, si on annule ces taxes, comment ces contractuels peuvent subvenir à leurs besoins et comment serait leur famille? Mais cela a été mal compris par certains marchands et marchandes. Mais au fur et à mesure, nous sommes en train de leur faire comprendre et que ce paiement doit être forcé. Et c'est des taxes qui doivent être payées, qui n'ont rien à voir avec les décisions prises par le gouvernement. Monsieur le maire de la commune de Matoto, Mamadou Batos Camara, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci mon frère, merci infiniment. Bonjour docteur Dansa Kourouma. Bonjour. Vous êtes le président du CNOX. Merci de recevoir guinéematin.com chez vous. Comme on le sait, il y a une polémique autour du choix de la personne qui devra remplacer Maître Salif Kébé, ancien président de la CENI. Et dites-nous-en un peu plus. Ok, je n'appelle pas ça polémique parce que ça concerne une corporation. Mmh. Donc, la polémique est interne au barreau, mais au niveau du CNOX, il n'y a pas de polémique possible parce que depuis que la CENI a été instituée en Guinée, 2008, je vais parler de 2007-2008, le CNOX était la structure, la plateforme de la société civile qui a pris part aux négociations avant l'adoption de la CENI, aux côtés de la majorité présidentielle qui était le PUP et l'opposition que vous connaissez, qui était le RPG, l'IFPG et d'autres partis politiques. Et côté société civile, c'est le CNOX qui a participé à cette rencontre tripartite. Et à ce titre, l'organisation a été la seule reconnue comme organisation de la société civile qui respectait les critères d'alors et qui a pris part à tout le processus politique. La première CENI, Ben Sekou Silla, président du CNOX, a été désigné comme président sur une liste de 3 personnes, dont Nusseni Camara et un certain Maître Abbas. Toutes 3 personnes ont été désignées par le CNOX qui a reçu la demande de désignation par les autorités compétentes. Mais comme le CNOX est une structure fêtière composée de plusieurs coalitions, nous avons fait, au point de vue démocratie interne, une consultation à l'interne de la plateforme composée de 150 coalitions pour trouver les meilleurs profils pour aller à la CENI, à l'interne. Et sur la base d'une lettre que les autorités compétentes nous ont adressée en tant que structure interface officielle entre l'État et la société civile. À l'époque. À l'époque. Mmh. Chemin faisant, la CENI a été renouvelée. Le même processus a été respecté. Le CNOX a reçu le courrier pour désigner les représentants de la société civile. Et également, nous avons fait la même consultation interne, comme vous savez, pour avoir nos représentants. La dernière en date, c'est celle de 2018. Après l'adoption de la loi, la loi révisée de la CENI, le nombre de places a été réduit de 3 à 2. Et le CNOX a également été saisi par les autorités compétentes pour désigner les représentants. Nous avons reçu 11 dossiers internes sur la base desquels nous avons tiré 2 représentants
qu'on a adressé au ministère de l'administration du territoire. Et c'est ces deux représentants qui sont partis. Vous savez, il y a un débat que les Guinéens aiment faire. C'est le débat sur la représentativité des structures. Ce débat-là ne peut pas se faire en Guinée, en ce qui nous concerne. Nous sommes la seule structure de la société civile qui fait des congrès électifs. Par conséquent, nous sommes en règle du point de vue légitimité, parce que nous remettons en cause, n'est-ce pas, notre gouvernance. Le dernier congrès en date était le 29 décembre à Dabola, plus un congrès d'investiture qu'on a organisé à Kindia le 11 janvier. C'est le dernier congrès. Donc, les responsables du CNOC sont élus. Et c'est la seule plateforme de la société civile, je précise une fois encore, la seule plateforme de la société civile qui fait un congrès électif, où toutes les 33 préfectures de la Guinée et les 5 communes de Conakry et les 8 régions sont représentées. Donc, sur ce point, quand vous voulez être une structure interface, il y a des conditionnalités. Donc, quand on nous a adressé la lettre, nous avons désigné deux de nos collègues sur la base du même principe de diversité interne. Cette fois-ci? Non, je parle de la dernière en date, 2018. Le courrier qui a désigné Maître Kébé a été signé par moi. J'ai encore la copie du courrier avec moi ici. Je ne remets pas en cause l'origine que Maître Kébé soit un avocat qui est du barreau. Je ne remets pas en cause. D'ailleurs, je présente mes condoléances à sa famille et je prie pour le repos de son âme parce que c'est un grand ami. Je ne remets pas ça en cause. Mais le barreau n'a le droit de désignation qu'en étant partie intégrante d'une plateforme de la société civile reconnue par les autorités. C'est-à-dire une structure qui remplit les critères, n'est-ce pas, pour être structure de la société civile. Je prends un exemple. Organe de médias, n'est-ce pas, et association de médias. Un organe est composé, c'est une structure privée, n'est-ce pas, qui est agréée comme une entreprise, soit individuelle ou de groupe. On l'appelle entreprise de presse. Mais si plusieurs entreprises de presse se mettent ensemble, vous devenez une association. Cette association s'affilie, n'est-ce pas, à la société civile. Ça vous donne le caractère société civile aux médias à travers leur regroupement qui adhère à une structure de la société civile. C'est la même chose pour le barreau. Les avocats, c'est des entreprises individuelles, n'est-ce pas? Ils font des prestations de services pour faire de la rémunération. Ceci ne leur donne pas le droit de statut d'ONG. Donc, la polémique n'a pas de raison d'être. En clair, docteur, qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce que vous pensez que le choix de la présidence, le choix de la personne qui devra diriger la CENI devrait se faire? Ça doit se faire dans les mêmes conditions que sa désignation. Pourquoi? Comment? Expliquez-nous-en. Ce n'est pas un nouveau choix. C'est le remplacement pour terminer un mandat. Donc, les textes ne sont pas les mêmes. La loi sur la CENI dispose, en cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif d'un commissaire, il est remplacé dans les mêmes conditions que sa désignation. Ça veut dire quoi? Un, la structure qui l'a désigné, c'est cette structure qui doit le remplacer. C'est-à-dire le barreau? Le CNOX. Okay. Je suis en train de vous dire une fois encore que c'est moi qui ai signé la lettre en tant que représentant. Donc c'est vous en tant que CNOX qui devez désigner au sein du barreau celui qui devra remplacer? Non, pourquoi vous aimez parler de barreau? Non, le barreau est une organisation de la société, est une entité affilié au CNOX comme d'autres. Il y a 5000 associations et 150 coalitions, dont l'ordre des avocats, l'ordre des huissiers, l'ordre des notaires, l'ordre des médecins, des ordres socio-professionnels. Donc, si c'est la société civile qui désigne, le courrier s'adresse à une organisation de la société civile, n'est-ce pas, qui a qualité. Et ceci regarde en son sein les conditions de remplacement. Ce n'est pas exclu que ça soit le barreau, ça peut être le barreau. Mais la procédure de désignation doit être respectée. Ce n'est pas en se détachant de la plateforme qui vous donne le droit de désignation, de représentation, que vous êtes en train de respecter la loi. D'accord, en clair, expliquez-nous-en qu'est-ce qu'il faut. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez entendre, mais... Oui, allez-y, c'est pour... Je ne sais pas ce que vous voulez entendre, mais... Quand une personne décède,
ou démission pour empêcher. Il est remplacé dans les mêmes conditions. Les mêmes conditions, ça veut dire l'organisation qui a désigné la personne, c'est cette organisation qui remplace la personne. Mais la première fois, comment la désignation a été faite, c'est cette manière qui doit être respectée dans le remplacement. Il n'y a pas de polémique possible. Donc, sur le plan de la qualité, c'est l'organisation qui a qualité de désigner. Est-ce que quand il s'agit d'envoyer, par exemple, les membres de la HAC, c'est les associations des médias qui envoient, non? Oui. Est-ce qu'un organe de médias peut désigner lui son représentant sans que ce soit par le biais de l'association des médias? Non. C'est la même procédure qui s'applique à l'interne. Alors, beaucoup d'observateurs pensent que vous voulez alors imposer quelqu'un qui ne soit pas aimé par les autres membres du barreau. Au sein du barreau? Oui, on apprend cela. Je vois que mon frère Ibrahim Assouri, je ne vous vois pas aujourd'hui. En fait, non, je vous dis ce que les gens pensent. La question que vous me posez n'a pas de sens. Le barreau est en train de faire son débat indépendamment de lui. Comment vous voulez que nous, on a la prétention d'imposer... En fait, on apprend d'abord, en l'air sain d'abord, ils ne s'entendent pas. On apprend qu'il y a une pression interne, en fait. Une pression, qui vient de l'extérieur. Qui est cet extérieur-là? Est-ce que c'est le CNOX ou bien c'est où? Parce que nous, je n'ai pas parlé avec un seul membre du barreau depuis que la procédure a commencé. D'accord. Je précise, personne ne m'a appelé pour présenter les condoléances pour le décès de Maître Kébé, que je considère comme un membre du CNOX. J'aimerais bien que les auditeurs comprennent, quand on dit CNOX, il faut arrêter d'avoir un regard réducteur, que le CNOX c'est une association. Le CNOX est un conseil qui est composé de 150 coalitions et de 5000 associations de base et de 38 conseils préfecturaux et communaux et 304 conseils sous-préfecturaux. Donc arrêtons de penser, quand on parle du CNOX, c'est comme une ONG ou une association. C'est un regard réducteur. Donc en clair, docteur, je n'ai jamais eu d'interaction avec le barreau sur cette question. Je n'ai pas été consulté. Je ne suis pas impliqué dans ce qui se passe au barreau. C'est un débat interne à eux parce qu'ils ont montré l'impression qu'ils ne sont pas affiliés à une structure. Sinon, le débat doit se faire à l'interne de la structure à laquelle vous êtes affilié. Mais s'ils ont décidé de faire cavalier seul, comme ils ont l'agrément société civile, ils ont tous les droits d'être société civile, en ce moment, ils sont libres. Je prends un dernier exemple. Quand vous regardez la loi sur la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle, leur prominence est définie. On parle d'un avocat désigné par le Conseil de l'Ordre des avocats. N'est-ce pas? Mais le barreau est membre du CNOX, non? Parce que le CNOX a une fois revendiqué ce poste-là. Parce que la loi est claire, on a dit le barreau. Mais si la loi dit organisation de la société civile, c'est la plateforme qui a la qualité d'organisation de la société civile qui prend les dispositions. Donc, tout débat que vous voulez faire sur cette représentation doit se faire à l'intérieur de la plateforme. Mais une entité qui est affiliée à la plateforme, si elle prend les prérogatives de la plateforme nationale, il y a un problème, il y a un guiche-roche. C'est pourquoi je n'ai pas voulu intervenir. C'est une horrible calomnie. Parce que je n'ai parlé avec aucun avocat. Je dis bien aucun avocat. Mais il y a une précision importante que je vais vous donner. Le Conseil national a droit et devoir envers ses structures affiliées. Vous comprenez? Quand les structures sont affiliées au CNOX, on a des droits et des devoirs. Une structure affiliée doit payer sa cotisation, doit participer aux activités de la structure mère. Et une structure affiliée doit se conformer au statut et à la charte de la structure mère. Mais une précision qui va faire froid au dos, le dernier congrès électif du CNOX, malgré les invitations et les multiples interpellations, le barreau a argué qu'ils prennent leur distance de la société civile. Si vous prenez vos distances de la société civile, s'il y a un droit qui revient à la société civile, vous le perdez. En français, facile. Mais si vous êtes membre de l'entité, c'est elle qui vous reconnaît votre droit. Parce qu'on est dans une association, n'est-ce pas? Pourquoi le syndicat n'est pas parti?
Sinon, parmi les anciens représentants, il y avait le syndicat qui était représenté dans la première CENI par Lucine Camara, la deuxième par Aziz Camara. Mais pourquoi le syndicat n'est pas parti? Parce que le syndicat s'est désaffilié du CNOX. Et quand vous vous désaffiliez, quand l'entité a des droits, vous n'êtes pas bénéficiaire. Quand on n'a qu'à crier, faire des tintamarres, faire des cirques, le droit reste le droit. Et en plus de la loi sur la CENI, il y a les documents internes du CNOX qui s'appliquent en tant que structure fêtière. Donc, de mon côté, je ne suis pas sûr si cette pression que vous parlez, vous avez bien été informé, parce que la pression c'est à l'interne du barreau. Aucun membre du CNOX n'a eu des interactions avec le barreau, y compris moi, le président. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, maître Djibril Kouyaté. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis maître Djibril Kouyaté, bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée. Merci de recevoir guinematin.com chez vous. Depuis un certain temps, il y a des polémiques sur le choix de la personne qui devrait être désignée pour remplacer maître Salif Kébé, décédé. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est réellement? Bon, polémique, nous entendons par-ci par-là qu'il y a des polémiques concernant la désignation de maître Salif Kébé. Mais ce que nous savons... Vous allez élever la voix un peu. Ce que nous savons... Attendez, je vais fermer. Nous savons, c'est que à la suite du décès du confrère Salif Kébé, comme le recommandait la procédure de désignation, la Cour constitutionnelle a été saisie par la CENI pour constater le décès et la vacance du pouvoir. Donc, la Cour constitutionnelle a eu à rendre un arrêt que j'ai ici sous mes yeux. Donc, dans le dispositif de cet arrêt, il a été dit ceci: déclare recevable la requête du bureau exécutif de la CENI. Constate et déclare la vacance du poste du commissaire président de la CENI suite au décès de maître Amadou Salif Kébé, issu des rangs de la société civile, entre parenthèses, barreau de Guinée. Dit qu'il y a lieu de procéder à son remplacement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt dans les mêmes conditions que celles de sa désignation pour le reste du mandat en cours. Et que l'intérim de la présidence sera assuré par M. Cabinet Cissé, second commissaire issu des rangs de la société civile. Et le reste, c'est le formalisme procédural. Donc, quand cet arrêt, comme il est dit dans le dispositif, devait nous être notifié. Mais, de façon informelle, nous l'avons reçu. Et puisque le commissaire, malheureusement décédé, venait du barreau, que les deux représentants de la société civile, qui fait partie des deux représentants de la société civile, et par rapport à l'arrêt, nous sommes dit que le second, et puisque c'est un avocat qui est décédé, c'est un avocat qui était le second représentant de la société civile, il fallait que ce soit un autre avocat qui soit désigné par le barreau comme cela se fait traditionnellement maintenant au barreau. Voilà. Donc, après, on a entendu dire beaucoup d'autres choses, mais qui relèvent de la rumeur. À moins que vous me confirmez qu'il ne s'agit pas de la rumeur, mais qu'il s'agit de la réalité. Puisque nous sommes des juristes, nous sommes des avocats. Les avocats, c'est des hommes de science qui ne se fient pas aux rumeurs. Ou, même s'ils se fient aux rumeurs, c'est très difficilement. C'est très difficilement qu'un avocat, normal, hein, quelqu'un qui a suivi une bonne formation de droit, se fie aux rumeurs. Donc aujourd'hui, vous certifiez que vous n'avez pas de problème dans le choix de la désignation de celui qui devra remplacer... On parle de pression extérieure. Moi, je n'ai pas subi de pression extérieure. Pour le moment, pas de pression extérieure, parce qu'il y a un préalable sur lequel nous sommes. Il me semble qu'il y a un préalable, la notification de l'arrêt. Et vous allez remarquer que même pour que la désignation se fasse, il faut... une lettre
du ministère de, l'administration du territoire, comme cela avait été le cas quand Maître Kébé avait été reconduit. Voilà la copie du ministre, la copie de la lettre du courrier que le ministre avait adressé pour que Kébé soit le deuxième représentant de la société civile. Nous entendons, comme je l'ai dit, je vais me répéter par-ci par-là, qu'il y aurait des oppositions à ce que ce deuxième représentant de la société civile soit un avocat. Voilà, mais au demeurant, il n'y a pas de problème. Nous, nous entendons que nous soyons, nous attendons que on nous saisisse et que nous fassions la désignation. Alors, Dr Danza, nous avions un entretien avec Dr Danza Kuruma qui nous disait que le barreau normalement ne relève pas de la société civile parce que vous êtes désaffilié de la société civile. Le barreau ne s'est jamais désaffilié de la société civile. Peut-être que M. Danza, il n'a qu'à prouver par acte. Il n'a pas d'acte. Il n'a pas prouvé par acte pour se désaffilier. On apprend que vous ne preniez pas part aux réunions. Oui, bon, peut-être que nous ne prenions pas part aux réunions, mais ce que M. Danza doit savoir, c'est que nous exerçons une profession libérale. Et un représentant du barreau a été désigné pour siéger là-bas. Peut-être que si ce représentant ne vient pas aux réunions, ça ne veut pas dire que le barreau s'est désaffilié de la société civile. Non. Pourquoi on va, par vocation, le barreau appartient à la société civile parce que nous défendons, nous avons pour vocation de défendre les droits humains, les libertés. D'accord. Donc nous ne pouvons pas nous désaffilier. Il n'a qu'à apporter la preuve que nous nous sommes désaffiliés. Alors pour le moment, qui est-ce que vous avez eu quelqu'un, vous avez désigné quelqu'un qui pourrait remplacer Salif Kébé à l'intérieur? Non, ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait. C'est en cours, nous sommes là. Nous sommes des avocats et nous allons le faire de façon sereine. Ça sera fait d'ici quand? Nous serons dans le timing, en tout cas. Nous serons dans le timing pour faire le nécessaire. D'accord. Merci beaucoup, maître. Voilà, merci. Bonjour monsieur, présentez-vous à nos lecteurs et téléspectateurs. Mon nom est Bangoura, je suis l'oncle de la victime. Quelle victime? Selva Fadiga. D'accord. Alors nous commençons par vous présenter nos condoléances. Merci. Et après, racontez-nous dans quelles circonstances votre enfant a été tué. Hier, bon, c'était aux environs de 14h quand on m'a appelé parce que j'étais en ville. Quand on m'a appelé que mon neveu a été touché par balle, donc on s'est dépêché, on est venu, on a voulu joindre l'autorité pour que l'ambulance vienne le chercher pour le déporter à l'hôpital. Mais fort malheureusement, la tension était tellement dense à tel point qu'ils n'ont pas pu faire venir l'ambulance. Donc on sent que l'ambulance aussi allait être attaquée. Donc on est venu, mais le problème, là où on est très déçu de Corabier, parce que quand l'enfant a été touché, parce que celui qui l'a touché, c'était à bout portant, parce qu'il n'y avait même pas de 10 mètres entre eux. Et c'est non seulement un militaire, mais qui était en civil, qui cachait son arme sous son boubou.
Donc quand il a tiré dessus, le petit a dit Grain boum. Donc sachant que le petit le reconnaît, il s'est retourné. Ses amis qui sont intervenus pour le prendre, il leur a interdit de prendre le petit, sinon il allait leur tirer au CDG. Donc ils ont laissé tomber l'enfant là-bas. Il est revenu de donner un nouveau coup pour le terminer. Donc c'est comme ça que la chose s'est passée. Donc, on est venu maintenant, les autres sont venus maintenant le chasser. Donc au lieu d'amener le corps par ici, on n'a pas que demain, parce qu'on commence à dire qu'il n'y a pas eu de victime à Goya. Donc pour casser sa mort criminelle là, donc on a préféré déposer le corps à l'hôpital. Okay. Donc on a amené le corps à l'hôpital et maintenant pour faire témoigner ça à l'autorité, maintenant on vient de finir son interne. Okay. Alors quel sentiment vous anime aujourd'hui après ce meurtre? Non, c'est comme vous l'avez dit, meurtre, pour moi c'est un assassinat. C'est un assassinat parce que le monsieur a monté son plan. Il avait son arme cachée sous le manteau. Il l'a tiré dessus. Dès qu'il a su que le petit l'a reconnu, il s'est retourné pour venir le terminer. Donc, il l'a assassiné. Ok, est-ce que vous avez saisi les autorités et quelle a été leur réaction si c'est le bon, on a. Moi, personnellement, j'ai appelé l'autorité, j'ai appelé le préfet. Pour lui dire que, effectivement, il y a des victimes. J'ai dit, moi, ma famille même est en deuil. Parce qu'on a tué un de mes neveux. Et après, quelle a été sa réaction? Jusqu'à présent, là où nous nous trouvons, il n'y a pas eu de réaction. Est-ce que vous comptez porter plainte? Nous comptons porter plainte. Vous avez identifié d'où le vient l'agent, c'est un béret rouge donc? Oui. Okay. Nous comptons porter plainte. Ok, dites-nous, qu'est-ce que vous savez de l'identité de l'auteur de la cause? Bon, c'est un militaire qui habite dans le quartier. Il se connaît avec le petit, la victime, avant qu'il ne commette le crime. Se connaissent, donc on voudrait savoir pourquoi il a tué notre enfant. Si c'est un règlement de compte ou c'est quoi, ou si il a été. En tout cas, qu'est-ce qu'il a motivé pour lui tirer dessus spécifiquement? Ok, que, les gens portent plainte, généralement ne font pas confiance à la justice. Qu'est-ce que vous avez à leur adresser justement? Donc moi je leur dis, personne ne doit vouloir se rendre justice, personne n'est au-dessus de la loi. Nous nous faisons confiance à la loi. Si la loi ne mérite pas notre confiance, ça c'est à la loi de voir ça. Merci. Merci. Ramadé. Ngaran. Kono makete do. Muhammad Juma Kante. Ningum piti ke suka mo Boubacar Diallo no fella do hankin koya da. Explicane men se da kono ndo fejiri. Kan ko suka fella do. Ko kando ari. Komina di moleko. Quartier ondo. Quartier ondumbya. 7h3 donade o dogi o yiltito ki parce que o anda haray ko ndum be dogi kaw dogi yiltita gol dom be felli mo ka hoddudu ko reden yaltiri ka gita tay mo dogu de atta kamenga be felli mo ko reden yaltiri ka gita yalti de gita haray nanen men andira no mo gere men andira mo ndu gol men andira mo jattu gol ko jangu gol men andiri mo dessa hay dip kaydi makko certificat makko meden jogi do dum do de ko dum o woni e jangi ko dum do woni e jangi de cede wona o bandi jo wona bonno nin ko dum do mi andi fi makko taw hara yo yidi e lambe ben kalaptane ton ha e horebe ben dom be kalaptane bari me yahi fi ndar bonno men hetti ta fulen me yahi ha kadam ga de wi men fo men natata on sa mi yalti ni kaydi makko certificat makko mi inni be a ko odo men tanjini no wara be yebi be yaltini telephone ji mabbe din be ni way ko o tigi be yigi no nande makko be landi mi ko honno wete min ni ko Boubacar Diallo wete ay be ni e awa mo derga be ni ko no fawna ta ta onon tun do wayna to de min ni gasi min nati be ni joni haray ifo be aristira ka kaye mabbe
himako parce que haray mi wawata mo yaltinoide hande haray halambe ben arandara ko hondu wadi bon mi arisi ndema ko den kono be jonnal la resi hay fur ari be jonnal la resi mi jetti on hal kaydi mako din be mi noddo yaylambe yeto mi nyalande dem yahanta furew mi arti kasuduga woni do ha 17h 17h30 18h be noddimi en mi ha mi do wawi hande furew mi ni do dem yahi mi tawi papira mako go articulanto be yidon dom be yetti do be watti e juude mabbe mi hewtini landibe min ni honto woni en ni be jonni goddo go papira mako min ni ala gasi mi yalti mi takki kuro mi fotte mabbe ka dambuga ka dambuga Allah batan on say men jetti fure on men ardi do kono be jonnali men resi fu sina ko mi yawno mi arresti ka kaye mabbe resi ko dum do ha dum nyandi tawa ko fewti dum do don yebbi wullitagol ka sariya ka ko honno joni do ni si men hebi sabu men men wullitoto ka sariya bari men fi am e yenna men jatta ko ni hore toni ko ni hore toni be ari be wari ran mi sukan Ah aray on yidi e lambe be wano ka prefecture ha kadu mato on ka DPS me yidi ali hay goto ma ah yano ah ntara mo nyako yalo ah yalla no feni ya fon Mon fort étonnement, moi j'étais au service, on m'a téléphoné, soi-disant qu'ils ont fusillé mon nom. Je suis venu, je me suis rendu, n'est-ce pas, au coin, le lieu où on l'a donné la mort. Il y a même une vieille là-bas qui a témoigné. Il y a un gendarme qui est venu. L'enfant, il regardait, n'est-ce pas, le chose, comme un film. Maintenant, comme il a entendu le bruit, il voulait maintenant sortir. Automatiquement, le gendarme dit, quand tu bouges, je vais te tuer. Quand tu bouges, je vais te tuer. J'ai dit, le petit dit, moi je suis chez moi. Je suis venu voir, n'est-ce pas, mon grand, pour regarder un film. Toujours, le gendarme répète, quand tu bouges, je vais te tuer. L'enfant maintenant, par peur, il a voulu maintenant se retourner, d'entrer dans la chambre. Automatiquement, le gars a tiré le petit, une première fois, sur sa main gauche. Mm-hmm. Une deuxième fois, il dit, comme le petit traînait sur la terre, il dit, comme il n'a pas mort, il a encore donné une deuxième balle, toujours à l'épaule. L'enfant, toujours, il grondait. Tac. La troisième balle, maintenant, il a tiré sur son ventre. C'est là-bas qu'il a rendu l'âme. On a pris le corps, on l'a envoyé, n'est-ce pas, à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital, mais les médecins, ils n'ont pas pu nous donner, n'est-ce pas, le corps la nuit-là. Il a programmé de venir à chercher notre corps le matin. C'est ainsi qu'on est parti chercher, n'est-ce pas, le corps. Envoyé, n'est-ce pas, sur l'internet. À l'enterrement. Oui. Quel est votre état d'âme aujourd'hui? Vraiment, c'est triste. Je ne peux rien dire. C'est ainsi que Dieu a voulu. Je ne peux rien dire par là. Je remercie le bon Dieu. Est-ce que vous avez rencontré les autorités, soit la préfecture et autres, la famille? Pour le moment, non. Pour le moment, non. On vient de faire l'enterrement. Les gens ne sont même pas venus d'abord. Nous sommes là. Les autorités sont venues? Non. Les autorités n'ont pas venu, personne n'est venu, personne jusqu'à maintenant. On le sait. C'est nous qui occupons, n'est-ce pas, notre corps. Pour ce que vous avez identifié l'unité qui a tiré sur votre neveu, c'est des gendarmes. Oui, est-ce que vous allez rester en justice? Non. Vous allez porter plainte? Ah,
En tout cas, je veux entendre, n'est-ce pas, la décision de la famille, si toutefois qu'ils ont pour, on porte plainte. D'accord. Merci et nos sincères condoléances. Merci, merci. De sécurité la dépresse. Ok, celle qui est décédée. Numéro de matricule 087. Ok, celle qui est décédée, elle est qui pour vous? Merci, c'est ma femme. Hier matin, ma femme, elle s'est réveillée, quoi. J'ai parlé avec lui. Elle disait que mon mari donnait ma dépense. Je lui ai fait sortir l'argent, je l'ai donné. Elle disait que toi, tu aimes trop la bruit, quoi. Il faut m'augmenter la cette l'argent. Et je lui ai donné cet argent, j'ai augmenté l'argent. Directement, elle a continué au marché. Elle a fait achat au marché. Comme il y avait des embouteillages là-bas, il y a trop de barrages là. Elle disait au marché, son ami quoi, elle dit, ah, comme il y a trop d'embouteillages dehors là, moi, je vais attendre ici, là. Elle va prendre du temps là-bas. Heureusement, Dieu n'a pas voulu. C'est là-bas qu'elle s'est pris ses bagages maintenant pour continuer à la maison. Mm-hmm. En sortant maintenant, c'est quand derrière lui maintenant, il y a un militaire qui a arrêté derrière lui. Directement, le militaire l'a tiré ma femme. Et les balles sont rentrées ici, la balle est sortie ici. Et elle a laissé 4 enfants avec moi. Et moi, je travaille. Le matin, je dois aller au boulot. J'occupe mes travaux ou bien j'occupe mes enfants à la maison. Qu'est-ce que moi, je peux faire maintenant? Le gouvernement n'a qu'à m'aider sur ça. Mes enfants, ils sont trop petits. Et je n'ai pas les moyens. C'est à cause de cela que je me suis déménagé à Koya ici. Le gouvernement n'a qu'à regarder ça. Et celui qui a ordonné l'air militaire pour tuer ma femme, parce que c'est lui qui est responsable. C'est lui qui est chef. Et c'est lui qui a donné toute l'autorisation là. On l'a tué ma femme hier là. Qu'est-ce que moi je peux faire? Pour moi, j'ai donné à Dieu. C'est Dieu qui est grand. Donc je ne parle plus maintenant. Vraiment, c'est à cette condition. Quand vous êtes venu, c'est ça que j'allais vous expliquer quoi. Alors, est-ce c'est que ça qui est arrivé ma femme. Est-ce que vous allez porter plainte? Et quand j'ai porté plainte, comment moi je peux faire? Comment moi je peux faire? Donc je laisse à Dieu. Dieu n'a qu'à juger. Dieu est grand plus que tout. Je laisse à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ma femme là. Ça fait combien de temps? J'ai fait 25 ans avec la femme là. 25 ans. Un jour, il ne m'a pas tapé. Il ne m'a pas répondu. J'allais gifler, elle ne dit rien. Je parle sur lui, elle ne dit rien. Je l'insulte, elle ne dit rien. Et Dieu n'a qu'à donner des paradis sur lui. Vraiment. Tout ce qu'elle m'a fait comme du mal, je l'ai pardonné aujourd'hui. Dieu n'a qu'à prendre ça. Et si vous êtes venu, c'est ça que j'allais vous expliquer. Alors, je ne sais pas aujourd'hui comment moi je peux faire. Je garde à Dieu, vraiment, avec mes petits-enfants. Il faut voir ça. C'est ma première garçon. C'est ma première garçon. Imaginez ça. Hein? Ouf. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Dr Yakara Ousmane, le directeur préfectoral de la santé de Koya. À l'issue d'une manifestation qui a été réprimée dans le sang hier, ici à Koya, on dénombre plusieurs victimes. En tant que première autorité préfectorale de Koya, dites-nous un peu plus. C'est un événement vraiment malheureux auquel on ne pouvait pas s'attendre. Et ça a été très surprenant hier, nous étions en réunion d'urgence, compte tenu de
la situation actuelle qui prévaut à travers le monde et ici aussi, compte tenu de notre voisinage avec Conakry, nous avons un certain nombre de cas à rechercher. Donc, chaque jour, on fait notre site, nous révisons nos stratégies et nous descendons sur le terrain. Donc, on était sur ça. J'ai reçu un appel me disant que le docteur Sachouf Mamia également est en ville. En même temps, l'ANS m'appelle qu'il y a un corps sans vie à Bumbuya. Donc, l'équipe se préparait pour aller. On attendait le laboratoire qui est formé pour faire le choc parce que c'est un corps pour faire le prélèvement au niveau nasal du cas. On était pris de panique. Donc, ça a crié un peu partout, mais on a fermé. Nous nous sommes mis à l'abri en attendant comment ça se passe. C'est avec des coups de fil, nous-mêmes, on ne pouvait pas aller à l'hôpital parce que devant l'hôpital, ça se fait. On s'est replié. C'est vers 14h, je crois. J'ai eu le courage de descendre vers l'hôpital à pied, avec tout le risque. Ma foi, quand je suis allé, c'était désolant quand même. J'ai vu des blessés et j'ai demandé à une équipe d'espérer de faire la situation, le point de la situation. D'abord, faire la situation parce que ce sont les deux communes qui sont directement à la tête, la commune Bien et la commune Roi de Mania. De faire la répartition selon le nombre de cas par commune, le nombre de décès par sexe. Également, les circonstances de survenue. Bon, non, par des balles, oui, peut-être, mais quand il y a un mouvement d'ensemble de ce genre, il faut voir aussi que beaucoup peuvent tomber dans les caniveaux, beaucoup peuvent se blesser par bousculade. Donc, c'est le rapport final que j'attends jusqu'à présent. Je crois que le DH était en contact avec le préfet. Pour le moment, je n'ai pas les chiffres exacts dans ma tête. Mais je sais qu'il y a eu un certain nombre de blessés et des cas, malheureusement, de décès enregistrés. J'attends le rapport des chirurgiens de l'hôpital, de l'équipe médicale. Okay. Est-ce qu'on peut avoir une idée, un chiffre à date dans la version officielle? Non, les gens en parlent une vingtaine de victimes, pas de décès. Hein. Je crois, ils ont dit une vingtaine, 22, je crois. Donc, blessés. Non. De victimes. Okay. Victimes qui ont été blessées. Et au moins combien de blessés dans quelles circonstances, je ne saurais vous le dire maintenant. Et le nombre de décès, ma dernière information jusqu'à ce matin, c'était 5, dont il semblerait une femme. Mais dans quelles circonstances, je ne saurais vous le dire aussi. Est-ce qu'ils sont tombés? Est-ce que c'est le véhicule qui a marché dessus? Est-ce que c'est un accident balistique? Il faut le rapport. Un accident balistique, là, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'attends, parce que ça prend, c'est un travail minutieux, ils sont en train de travailler. C'est les corps qu'on a déposés. Donc il faut beaucoup d'examen pour pouvoir situer les choses. Et il faudrait que les gens collaborent aussi, et ceux qui étaient autour. Donc c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Donc c'est l'application de ça. Ça, c'était obtenu. Depuis lundi soir, ça devait rentrer en application. Hier mardi, à 10h, nous avions pu informer de ce geste généreux, cette compréhension de la hiérarchie. Et à certains ont gardé l'information à l'heure. On avait été surpris. Désagréablement surpris que quelques-uns de nos concitoyens prennent au petit matin les rues de Koya en proférant des insanités, en menaçant tout le monde, munis des armes blanches,
sous prétexte qu'on veut aller enlever de gré ou de force le barrage. Tout de suite, nous avons mis en branle toutes nos structures, c'est-à-dire les élus locaux, pour que chacun sensibilise et que sans même ce mouvement-là, le barrage est déjà négocié, son déplacement est rassurant, de faire confiance à l'autorité. Mais la mobilisation, l'intoxication était totale. Donc, leur maîtrise était pratiquement impossible. C'est passé malgré nous, ce qui s'est passé, des dégâts matériels qu'on ne pouvait pas nous attendre à ça. Mais, en ce moment même, on critique le barrage. Les mineurs érigent d'autres barrages où aucun citoyen, aucun engin motorisé n'avait accès. Donc, barrage contre barrage. C'était hier. C'était hier. Il fallait enlever le barrage. Surtout que le barrage qui est officiel, qui est dans l'intérêt de toutes les populations, parce que c'est la préservation de leur état de santé, doit être enlevé. Est-ce qu'il faut maintenir les barrages érigés par les assaillants? C'était là le problème. Les forces de l'ordre ont dit, bon voilà, nous allons enlever, comme vous avez sollicité. On n'a pas mis ça parce qu'on est contre vous, on ne veut pas que vous vous déplacez. On a mis pour vous sauvegarder de cette propagation. Mais si, il n'y a pas de problème. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, pour que les forces de sécurité viennent enlever les barrages en forme érigée, il y a eu des altercations entre ceux qui ont érigé ces barrages secondaires-là de protestation et les forces de sécurité. Mais il fallait tout vaille que vaille que ces barrages-là soient enlevés et que la circulation reprenne de belle. C'est ce que nous avons vécu. Et fort heureusement, avant même que cette réaction de la part surprenante de nos concitoyens ne soit, la mission était déjà commanditée par le chef de l'État. La mission commanditée était en route. Cette mission est venue dans cette rue pour que cette mission ait accès à la préfecture. C'était toute difficulté. Mais néanmoins, comme c'est une mission commandée, la mission a forcé le passage et est venue. On a sauvé. Et de là, notre entretien, on a quitté ici directement pour aller prendre le barrage là-bas, envoyé à l'ancien point. Courrier. Donc, les riverains de là-bas ont dansé, ont applaudi. Voilà ce que je sais. C'était une intoxication. Mais voilà ce que nous avons malheureusement regretté. Le commissariat et la gendarmerie de Mandia en flamme, complètement bousillé. Le commissariat central de Koya, qui est construit à la faveur de la célébration des festivités de la fête de l'indépendance 2020, qui devait être inaugurée et commencer à être fonctionnel, a été aussi saccagé, complètement détruit par les assaillants. Pire, ces mêmes groupes se sont constitués. Les mosquées qui sont fermées par une décision gouvernementale pour éviter la propagation sont parties casser les portes de toutes les mosquées de Koya pour que les gens se prennent à cause de l'élection. Ils quittent ici, ils vont jusqu'à Wankifon. Mais malheureusement pour eux, la population de Wankifon a réagi contre ces assaillants, le même groupe. C'est ce que nous avons regretté. Nous avons regretté. Sinon, enlever le barrage à tel point, envoyer tel, nécessite qu'on brûle les commissariats, qu'on détruise le peu de biens que nous avons, des infrastructures que nous avons durement obtenues. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la fermeture des mosquées? Jusqu'à mettre, c'est-à-dire en prendre ou s'opposer complètement à la fermeture de la mosquée,
La Mecque est fermée. On n'est pas parti défoncer les portes là-bas. Les mosquées sont fermées dans toutes les préfectures. À commencer par Conakry. La grande mosquée est fermée. C'est Koya qui va faire la démarcation. Donc voilà un peu ce que nous avons récolté. Mais ça, c'est l'excès que Cheytan a fait causer à nos populations en ce mois béni de carême, de Ramadan. Nous le regrettons amèrement. Et nous et les populations regrettons ce acte de Cheytan. C'est pourquoi ce matin, vous avez vu, nous avons convié toute la notabilité, les autres, les élus locaux et toute la population, presque les représentants des différentes populations, pour d'abord passer à revue ce qui s'est passé, les tenants et les aboutissants, et les conséquences de ce qui s'est passé et les résultats peut-être obtenus, qu'on pouvait obtenir sans qu'une mouche ne se lève. Mais malheureusement, Cheytan, nous avons mis à la tête de Cheytan. Nous sommes aujourd'hui, à ce moment-là, en train de gérer les conséquences des méfaits de Cheytan causés hier à la population. Alors, monsieur le préfet, on apprend de l'autre côté qu'il y a eu des cas de mort à registrer. Qu'est-ce que vous en savez et quel bilan officiel vous pouvez nous donner? Voilà, je sais qu'il y a eu des blessés. Ça, je sais ça. Je ne suis pas parti d'abord à l'hôpital pour les visiter. J'ai appris aussi qu'il y a des cas de mort. Mais voilà ce que je peux vous dire. Hier, ce qui m'a été signalé, et moi-même, j'ai demandé aux forces de sécurité d'y veiller. Au niveau de Fridiadi, il y a une concession où nous ne savons pas les raisons. La nuit, un jeune a été abattu. Coup de sabre ou de quoi que ce soit. Mais dans la concession qui était fermée, tout était en sang, jusque dans la chambre où se trouvait. Au petit matin, les gens qui sont de garde là-bas, barrage, se sont rendus compte que ça ne va pas, il y a le sang qui coulait. Ils sont venus défoncer, ils ont trouvé le sang. Ils ont interpellé le propriétaire de la concession. Ils ont mis d'autres gendarmes à côté. Maintenant, ils ont tiré ces gens là-bas. Ont tiré le corps de le bonhomme pour venir l'exposer à côté de la route. La sécurité a dit que ce corps ne bougerait pas jusqu'à 18h de là-bas. Il faut qu'on sache le pourquoi de ça là. Et ces corps-là ont été tous ramassés à partir de 18h. Quand les autorités, les élus locaux de Fridiadi sont partis se rassurer que ça c'est une autre cause qu'on doit rechercher, on a mis à la disposition de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a déposé le corps. Ça, je sais ça. Je sais qu'un de nous, agents de sécurité, a eu la tête fendillée par les manchettes. J'ai vu ça aussi. Parce que c'est malheureusement, ce dernier, il nous a quittés ici. Sur la moto, ils étaient deux. Au niveau de Manéa Somaya, la moto brûlée et les gens ont été battus à mort. Ça aussi, je sais. L'État, je ne sais pas. Donc, il y a d'autres cas, notamment une femme. Je connais ça parce que cette femme-là, au moins, c'est une de mes filles et c'est la fille d'un jeune frère. Je connais. Donc, le reste, on m'apprend. Quand il y a deux, on me dit trois, quatre, cinq, six, dix, quinze, trois. Donc, officiellement, vous ne connaissez que deux cas. Que je peux justifier. Deux. Que j'ai vu. Ça, le militaire et la dame. Ça, je peux justifier. Et des blessés, là, il y en a eu. Parce que quand on a tiré des trucs, les gens
dans l'euphorie, chacun est parti, certains sont tombés dans le fossé, là, ils sont blessés et autres. Ça, il y en a, vous pouvez partir à l'hôpital pour faire le bilan de ça. Mais je sais aussi que ça, nous le ressentons. Parce que même les meneurs, ceux qui ont organisé le mouvement, n'ont pas prévu ce qui s'est passé. S'ils savaient que ça allait dégénérer comme ça, n'auraient pas organisé ce mouvement. Les gens, les autorités que nous sommes, que Dieu nous en garde, les citoyens pour lesquels tu es fier de dire j'ai dans ma préfecture, dans ma commune, tel nombre de citoyens que je gère, tu ne peux pas être la cause de leur faire perdre leur vie. Parce que tu ne pourras pas gérer les cimetières ni les cadavres. C'est les personnes vivantes que tu peux gérer. Dibrache, c'est ça le. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je peux. Est-ce qu'il y aura des enquêtes qui seront ouvertes? Mais c'est ouvert depuis hier. Je vous dis qu'il y a eu une élection présidentielle. Les responsabilités seront situées. L'autopsie doit être faite. C'est fait, d'ailleurs. L'hôpital va nous livrer les résultats. Et les enquêtes vont être menées. Chacun répondra de sa responsabilité. Nous sommes dans un état de droit. On ne va pas aller à l'encontre des principes de la loi que nous-mêmes nous avons voté. Donc, moi je vous dis que nous regrettons. Les populations de Koya regrettent. Les autorités de Koya regrettent. Même les forces de sécurité qui sont là pour nous sécuriser regrettent malheureusement les conséquences de ce qui s'est passé hier. Et nous avons aujourd'hui à cette réunion fait des prières pour que jamais ça à Koya, pour que plus jamais qu'il y ait des affrontements ou plus jamais des altercations, que tout se négocie. Tout, on passe par le dialogue, comme on l'a toujours envisagé. C'est sur ce mot-là que nous avons clos notre entretien. Et aujourd'hui, tout de suite, de là-bas, nous nous sommes retrouvés avec la notabilité, les religieux, pour organiser des salutations. Et nous avons informé la hiérarchie qui nous a apporté quand même une forte assistance pour qu'on puisse participer, soutenir les funérailles et les obsèques de ceux-là, même une partie des malades qui sont là, les blessés. Beaucoup vont sortir tout de suite selon le médecin et ils vont faire le traitement à l'ambulatoire. Mais c'est regrettable. C'est ce que je peux vous dire. La conclusion, c'est regrettable. Merci, monsieur le président.